Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On est jeudi. Là, il est 11h30. Donc, on a eu déjà un premier rendez-vous qui a duré 2h. Et là, on en a un deuxième. Donc, on va y aller rapidement. On a bien déjeuné ce matin pour être en forme aujourd'hui. Et ensuite, je pense, après le prochain rendez-vous, on va aller manger. Et puis, bah voilà, je vous amène pour cette nouvelle journée. C'est parti. Eh bien, je vous reprends maintenant. Il est 15h là. Je crois, je sais pas en fait, j'ai vu tout à l'heure, on était au rendez-vous, j'ai regardé mon téléphone pour voir l'heure. Ah non, il est 15h20. D'accord. Oui. Si on va au centre commercial pour manger. Ah oui, mince. J'ai le rendez-vous à 16h. C'est vrai. Je vais en manger juste là un petit truc pour essayer de trouver. Ouais, au pire. Oui, donc on a fini ce qu'on avait à faire. Là, après, en fait, il y a une clinique juste à côté. Enfin, c'est une clinique dentaire. Et donc, Ayoub, il a pris rendez-vous parce qu'il veut faire un détartrage pour ses dents. Mais il faut prendre d'abord un premier rendez-vous et le second rendez-vous, il sera donné pour demain. Et ce qui m'a étonné, t'as vu, c'est que le premier rendez-vous, il est gratuit. Ouais, il est gratuit. Mais c'est normal. Bah, ils le font souvent. Franchement, mon dentiste, ah, il le fait. Ok. Non, moi, ouais, j'ai toujours payé mes rendez-vous. Hein. Dernier, avant-dernier. Bref, donc là il y a un petit peu de vent, je crois que vous allez pas m'entendre. Alors attendez, je vais me mettre là en haut. Je vais me mettre ici, comme ça vous allez m'entendre. Donc là, ce qui est prévu, c'est qu'on va aller manger. Et voilà, c'est tout. Je sais pas après ce qu'on va faire, mais on a fini tout ce qu'on avait à faire niveau perso. Et voilà, on est content. Et donc bah, je vous retrouve un petit peu plus tard. À toutes. On est trop content, on a trouvé un super beau restaurant. Donc on peut composer nous-mêmes nos salades et nos pizzas. Là, on va se régaler. Ouais, là, on passe au plat. Petite pizza. Ça passe trop bien. Ça fait du bien de manger ça. Parce qu'à chaque fois qu'on vient en Espagne, la plupart du temps, on mange juste, vous savez, des petites tartes aux épinards, au fromage. Et là, je crois que depuis qu'on vient, c'est la première fois que genre, on se pose dans un resto et on mange bien. Donc, ça fait vraiment plaisir. Bon appétit. Bon appétit à toi aussi. Mange bien. Tu vas faire quoi, Ayoub, là? Tant pis. Il va faire une radio là. Ça va? Ça va? Il a fait un détartrage. Il a fait un détartrage et il a réparé une dent parce que il y a son plombage qui est tombé. Donc voilà. Oh, t'as eu même pas. Mmh. Parle. Ah, là, 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 là. Souris. Ferme la bouche, souris. On dirait un papy. C'est trop mignon. Alors, Yann, t'as peur? C'est à cause de toi. Alors, c'est à cause de toi. Tu m'as chauffé. Il a les dents toutes blanches maintenant. Et t'as peur là? Hein? C'est rien. Tu vois, ça va bien se passer. C'est quelque chose, regarde ça là. Si, c'est quelque chose. Mais non, c'est rien. Regarde ce qu'elle est sortie. C'est voir la piqûre ça. Non, 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 non. Non, mais y'a pas de piqûre. Non, y'a pas de piqûre. Non. Oh là là. Ça fait mal ou pas? Hein? Non, ça fait pas mal du tout. Sûr? Ouais, certain. Ne stresse pas, c'est rien. Ne stresse pas. Oh, je suis pas bien là, je te jure. Ça va bien se passer. Il n'y a pas de raison, mais... Je suis pas bien du tout. Mais c'est rien, ça va bien se passer, je te jure. Ouais. Tout le monde a survécu à ça, c'est pas toi qui va... Non, mais oui, je sais, mais j'aime pas. J'aime pas, je me sens pas bien. Non, vraiment pas. Ah, j'espère que ça va passer vite. Et le bon côté des choses, c'est que lundi normalement on fait un blanchiment dentaire et c'est pour ça qu'on fait ça, pour avoir les dents encore plus blanches. Et vu qu'on va bientôt faire un traitement, vous savez, avec les gouttières, et bah comme ça au moins on part sur une bonne base, avec des bonnes dents saines. Mais je suis pas à l'aise là, je me parle en mode tout va bien, mais à l'intérieur je dis à Yves, viens on part, s'il te plaît, viens on part, viens on part, viens on part. Il m'a dit non, vas-y, fais-le. C'est rien. Tu te mets la pression. J'ai envie de sortir. Ouais, non, mais je sais que c'est rien. Tu vas voir quand ça va être fini. J'ai dit, oh, c'est easy, normal, tranquille. C'est rien. Mmh.
Allez, c'est fort, c'est rien. Et il faut pas toujours lever la main. Hein. Alors, Iman, c'était comment? Ça fait mal. Entre vous et moi, j'ai eu mal. Ça fait même très mal. Donc, je sais pas comment t'as fait pour pas avoir mal. Hein. Mais non, ça fait pas mal. Ah non, ça fait mal. Franchement, elle m'a scié. Regarde. Ouais, mais là tu saignes pas, là tu saignes plus. Non, j'ai saigné, toi t'as pas saigné. Ouais, moi j'ai pas saigné par contre. Ouais. Ah, je te jure, elle m'a scié, ça m'a fait mal, j'avais chaud, je me sentais pas bien. T'as vu comment je tremblais des pieds? De ouf. Ah, moi non, j'étais pas bien. Elle levait sa main toutes les deux minutes. J'ai ouais, parce qu'elle a dit si vous avez mal, vous levez votre main. Et moi dès le début, je faisais ça. Elle était morte de rire. Non, mais franchement, j'étais pas bien. Mais au moins c'est fait, après c'est conseillé de se détartrer les dents au moins une fois par an. Je l'ai jamais fait, c'est la première fois que je le fais, mais je sens vraiment que mes dents elles sont grave propres, mais vraiment propres, donc c'est pas plus mal. Je suis en train de regarder mes dents et franchement elles ont grave blanchi, encore plus que, enfin j'ai pas les dents aussi très très blanches, mais j'ai quand même une bonne base et là elles sont encore plus blanches. Après, comme je vous ai dit, ça fait quand même mal. Hein. On vous reprend à la maison. Donc là, on est rentré il y a à peu près 2 heures, tout pile. C'est pour ça que je vais commencer à préparer à manger, parce que au bout de 2 heures, on peut commencer à manger après un détartrage. Donc oui, je vous disais, je vais préparer à manger. Donc pour ce soir, j'ai sorti déjà à décongeler des frites avec du poisson pané. Donc voilà, ça va être simple pour ce soir. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean? We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Ici c'est trop vif. Là, ça a rien à voir. C'est super rapide. Ça a vraiment rien à voir. On est rentré, on est arrivé là-bas à 14h30 ou 15h. Ouais. On avait directement rendez-vous pour 16h pour faire la première consultation. Ouais. Et il y avait un médecin qui était libre juste après la première consultation. Donc il nous a pris direct. Ouais. Et on a fait le détartrage, nous deux. Et moi j'avais un plombage qui était tombé, donc je suis venu essentiellement pour ça. De 3 caries, ils m'ont réparé les caries, tout ça. Ouais. Et super rapidement. De... 3 heures. Voilà. On a attendu longtemps. On a attendu longtemps, mais tout s'est fait la même journée. Ouais, c'est ça. Alors qu'en France, tu demandes un rendez-vous chez le dentiste, on a pour un mois. Grave. Tu dis j'ai mal, et tu dis oui, mais il y a pas de place. Oh, je te jure. Mais ce que j'ai encore plus aimé, c'est que ça les embêtait pas. Tu vois, ils étaient pas saoulés. Ouais, c'est... Tu vois, tu demandes un rendez-vous là-bas, ils sont en mode vénère, ouais. Ils te regardent mal. On a pas de place, Ouais, ouais, grave. C'est ça le truc, on a pas de place. Ça a rien insisté. Ouais, je te jure. Alors qu'on est là, on a insisté, est-ce que c'est possible, ça. La dentiste, tout à l'heure, elle m'a dit comme quoi elle avait fait deux caries. Mm. Elle m'a dit qu'il en manquait une troisième et qu'il fallait revenir. Ouais. Et je lui ai expliqué que je partais lundi. Mm. Et elle m'a dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Je vais parler au client suivant, je vais lui dire s'il peut attendre 20 minutes de plus. Ouais. Et je vous la fais tout de suite. Ouais. Je suis mal à parler. C'est pas grave. Et elle est partie parler au client d'après, elle lui a dit. Ouais. Et elle est revenue, elle m'a dit, bon, c'est ok, on l'a fait. Ouais, et toujours dans la rigolade, ouais, dans ça. Le sourire, ils sont etc. Ils pas saoulés de t'avoir comme client, quoi. C'est ça, ouais. C'est ça. Alors qu'en France, tu rentres, tu payes, mais ils sont saoulés. Ouais, et en plus, le pire des trucs, c'est qu'elle prenait le temps d'aller sur l'application, de traduire tout ce qu'elle nous disait, elle rigolait, ouais, grave, ouais. Elle rigolait, etc. Elle dit c'est trop bien ça. Mais et tout. C'était pareil, la pizzeria, comment ils nous ont accueillis. Ouais, non mais ouais, de fou. C'est ouf, ils nous ont pris en charge, ouais. Ouais. Avec le sourire, avec la joie. Mais trop. Ça fait tellement plaisir. Ouais. C'est ça qui est bon. Tu sens que les gens ont le savoir-vivre. C'est ça que ça donne foi en l'humanité, ouais. Et ça donne encore plus envie de rester là. Et je vous cache pas, quand on repart sur Paris, on a ce petit pincement au cœur de nous dire. C'est dommage quoi que tout le monde n'a pas cette mentalité. Dans le stress, ouais. C'est dans l'individualisme. Ouais, c'est ça. Alors qu'ici. Franchement, allez tous vivre en Espagne, venez, on va tous là-bas, c'est bien.
Je te jure. Après, c'est le soleil qui fait ça, je pense aussi. Ça, ouais, ça, le temps aussi, ça joue, mais Paris, de toute façon, tout le monde le dit. Hein. Paris, c'est une ville de stress, c'est une ville de précipitation, tout est en accéléré. Les gens, ils n'ont même pas le temps de te regarder, ils n'ont même pas le temps de te dire bonjour, te sourire, rien du tout. Et c'est vrai qu'avec Ayoub, ça, c'est pas que ça nous saoule, mais. Ça rend ouf. Ouais, c'est chiant. C'est vraiment la française aussi qui rend ouf. Ouais, bah oui. Ouais. Après, c'est un long débat, hein. C'est bien plus loin. Là, on surface juste les choses, mais si on rentre dans les détails, c'est un peu plus complexe tout ce qu'on est en train de vous dire. Mais c'est vrai que quand on est là, ça nous fait du bien. Oh, on est bien là dans le petit désordre. Ouais, ouais, franchement, on est bien. Puis ça fait une bonne pause. En fait, même si tu fais plein de démarches, plein de choses, etc., et ben en fait, ça te fatigue pas autant qu'en France. Parce qu'en France, quand tu fais des démarches souvent administratives, ça te tue. Il y a du monde de partout. Il y a du monde de partout. Les gens, ils t'accueillent pas forcément bien. Bref, tu vois, alors qu'ici, c'est pas du tout ça. Là, tu le rends, la première chose que je te propose, vous voulez un café ? Tu te rappelles quand on est parti la première fois payer les factures pour l'électricité ? Comment la dame, elle était trop contente. Genre, elle souriait, elle rigolait avec nous, elle nous demandait d'où on venait. Je vais te dire un truc, je te coupe. Avant-hier, je suis parti aux impôts. Et quand j'ai filmé. Ouais, en France, hein, on parle de la France. Là, c'était quand ? C'était la vie ? Ouais, c'était la vie. Je sais plus. Je suis parti aux impôts et la dame de l'accueil, donc il y a l'accueil pour nous accueillir. Et en fait, l'accueil, il n'y a pas une personne à l'accueil, mais il y a une personne qui s'occupe des courriers, etc. Et on parle des fois à l'accueil. Ouais. Quand je suis venu, elle était genre hyper saoulée. Ah ouais, mais ouais. Genre là. Ouais. Là, vous voulez quoi ? Ouais, comme non, ça. Mais ouais, ça démoralise ça, ouais. Tu dis oh! Je vais payer. Mais grave, je vais payer grave! J'avais pas compris, grave! C'est moi qui t'en fais! Ouais, je te jure, je viens payer! Hein. Ouais, je viens payer, je cotise! Ouais, c'est clair! Bref, tout ça pour vous dire qu'on apprécie beaucoup, beaucoup, même de plus en plus l'Espagne. Bon, je vais vous laisser. Ouais, je me suis posée 2 minutes. Je me suis fait mal au dos aussi par la même occasion. On va manger et je vous retrouve tout à l'heure pour clôturer le vlog. A tout. Ça y est, là, il est 23h41. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. J'ai nettoyé la cuisine, etc. Je me suis aussi posé un masque entre-temps. Je l'ai à peine laissé 10 minutes le temps de faire la vaisselle. Et je l'ai enlevé. J'ai appliqué ma petite crème. Et là, ça y est, il est l'heure d'aller dormir. Bon, je vais juste monter la partie dans la cuisine. Et puis, ça va être rapide. Je pense en 30 minutes, ce sera fait. Ensuite, j'ai des petites choses à mettre au clair et puis bah voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser votre petit pouce, le petit commentaire et aussi à vous abonner si c'est pas encore fait, comme je vous le dis souvent, parce que c'est une manière de vous rappeler avant que vous quittiez la vidéo. Ayoub lui est juste ici, il est en train de regarder une série. Ayoub, ta série comment elle s'appelle ? Brain Game. Et en fait c'est une série, vous avez entendu, la série c'est Brain Game et c'est une série grave stylée en fait. Games. C'est plein de Games, autant pour moi, désolée. Oui, donc je vous disais, c'est une série sur le fonctionnement en fait du cerveau, comment il réagit, etc. Et en fait, il fait des tests et tout, c'est sur Netflix. Elle est vraiment super bien, la série. On s'amuse à la regarder le soir et à s'amuser, en fait. C'est assez ludique, c'est sympa. Ah, c'est tout, donc je vais vous laisser. Je vous embrasse très très fort. Et puis moi, je vous dis à très vite. Non, non, non.